Salam alaikum, bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui la recette d'un grilled cheese à ma façon, vite fait, bien fait. La vidéo ne dure que 2 minutes 46 parce que c'est quelque chose de très rapide à faire. Vous allez prendre du pain tranché, de préférence des grandes tranches pour pouvoir faire votre grilled cheese. Donc à l'intérieur, hein, il y a plein de manières de le garnir. Moi je l'ai pris... ça fait office pour moi de petit déjeuner et déjeuner en même temps. Comme ça, je ne mange pas après, avant le soir. J'aime bien manger ça le dimanche, le week-end. Donc, c'est à base de charcuterie et de fromage. Donc, je vous montre le détail. Donc, dans une poêle, vous allez faire revenir une belle noix de beurre. Et vous allez ajouter votre première grosse tranche de pain. Vous allez ajouter du fromage de préférence qui fond. Ensuite, un peu de charcuterie. Moi, j'aime bien le goût un peu du ketchup, le goût un peu sucré. Donc, j'en ai mis, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. J'ai mis donc mon ketchup, à nouveau du fromage en tranches et un peu de cheddar et du fromage râpé de mozzarella. C'est vraiment tout simple. Ça prend 2 minutes à faire et on va pouvoir refermer avec une autre tranche de pain. Alors, le pain de campagne, c'est très bon. Si vous pouvez, du pain de campagne ou du pain complet. On referme, on appuie bien pour que le fromage fonde bien. N'oubliez surtout pas le beurre, hein, c'est ce qui va donner le côté gourmand, beurré et doré de votre pain. Donc pour le retourner sur l'autre face, le cuire sur l'autre face, je remets une belle noix de beurre également. Et vraiment, ça prend 2 minutes, hein, 1 minute de chaque côté et votre grilled cheese est prêt. Voilà, une recette vite fait, bien fait pour petit déjeuner, brunch. Moi, je vous ai dit, ça m'a fait office de petit déjeuner et déjeuner. Vous êtes calé pour la journée avec un beau grilled cheese comme ça. Si vous voulez mettre à la place de la charcuterie du saumon ou des œufs au plat, c'est ce que je fais des fois, et ben ça fonctionne très très bien. Mais le fromage, vraiment, il est indispensable pour avoir ce grilled cheese. Voilà, coupé en deux ce que ça donne. Je vais le recouper, vous allez voir. C'est vraiment très régressif, très très bon. Bien gourmand. Une petite idée, quand vous avez le temps, vous avez envie de quelque chose de gourmand, vite fait, bien fait. Voilà les amis, le petit pouce bleu pour m'encourager. Venez me voir sur Insta, je vous ai dit, je poste tous les jours dessus. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. À bientôt les amis.